Hello, hello la famille, on espère que vous allez bien. Ici c'est Madame Lenoir. Coucou la famille, je suis actuellement en route avec Monsieur Lenoir. On a un rendez-vous, on a prévu aller quelque part. Et maintenant il est descendu, il est parti mettre, il est parti mettre l'essence dans la voiture. Et une idée de prank m'est venue, Seigneur. Imaginez-vous même. Je vais essayer d'entamer un sujet un peu bizarre, pour voir un peu la réaction de Monsieur Lenoir. Qu'est-ce que vous dites ta famille? Dites-moi un peu. Je vais essayer de dire à Monsieur Lenoir comment au boulot il y a un gars qui me fait des avances. Ouais, un peu la famille. Là, on va voir sa réaction. J'espère que il ne va pas dire que. Oh, ne pas plus là-bas travailler, tout. De la famille, actuellement, en fait, on est en train de faire un vlog. Mais maintenant, je veux profiter du fait que, bon, la caméra est allumée pour lui faire le prank. Lui, il se dira que, bon, comme c'est le vlog et tout, on peut couper la partie et tout. Un peu. Donc, du coup, il ne saura pas du tout. Donc, s'il vous plaît, la famille, si vous aimez ce genre de vidéo, likez, commentez, partagez pour nous motiver, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on va faire. Donc je vais lui dire que j'ai un collègue au boulot qui me fait des avances. On va voir ensemble sa réaction, ce qu'il va dire. Comment est-ce qu'il va me demander de me comporter? Et surtout, déjà, je vais un peu exagérer en disant même que. Je vais exagérer en disant carrément que le gars, chaque fois à la pause, il part, il achète toujours à manger, il vient avec ma part et tout. Donc, restez ce côté la famille. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, commenter, liker pour vous motiver. À tout à l'heure. C'est quoi? Parce que toi, j'en ai mon pull, non? Tu aimes trop imiter les gens. Tu aimes trop imiter. Je n'ai pas la musique. Tu fais quoi? Rien. Je voulais te dire quelque chose. Quoi? Conduis pas. Tu veux faire quoi? Tu C'est un vlog, non? On a faisait un vlog, non? Tiens, Dieu. Vlog de quoi? En tout cas, je fais mon vlog, non? Est-ce qu'il y a quoi? Je fais mon vlog. Mais c'était chaud au boulot. Tout ce cas. Tu vois le gars dont je te dis souvent que. Mais tu fais le vlog dans la machine, dans le tube. Mais attends, c'est allumé, non? On peut juste speeder. Non, mais quand tu. Tu vois pourquoi il te dit que tu aimes, tu vois, que tu filmes mal. Non, ça sert à quoi de mettre le fait que tu dis là, pourtant tu en fais pas autre chose. Après il n'y a plus l'espace. Le temps de prendre tout ça, envoyer. Laisse, c'est juste que je veux qu'on filme les images, non. Mais je vais te dire que je suis là, tu te concentres parce que je vais te dire. Oui, mais parce que je parle, toi, pas on sera là à 20 minutes, il n'y a pas de temps, je n'ai rien. Non, t'inquiète. Ok, tu vas dire quoi. Ok, tu vois. Au boulot en fait, tu vois un peu, non, il y a un gars là. Et lui, à la parole, les pauses. Chaque fois, il s'est pas été dit une fois, comme il avait commencé comme ça. Il t'a dit une fois, il y a un gars là, il est gentil avec moi. Quand il part toujours, comme on a le cafétéria en bas, ils sont sur la place de la cafétéria, où il y a le cafétéria, dont on a un automate en fait, où tu peux prendre que ce soit le café, le cacao, le thé, en fait, toutes les boissons que tu veux, en fait, les boissons chaudes, je précise. Voilà, et quand il descend toujours, même si je suis en train de travailler, il va tout venir, mais il va venir ma part. Parce qu'il veut m'aller le cacao, il sait que j'aime le cacao, je ne bois pas le café et tout. Et aujourd'hui, tu sais ce que le gars a fait. Voilà. Tu vois, là, je reste comme ça. Il me dit, il m'appelle en aparté. On était en pause, hein, avec les collègues. Il m'appelle en aparté, il me dit qu'il veut me dire quelque chose. Que, en fait, moi, j'ai dit que j'étais dépassé quand même. J'étais dépassé. Il me dit carrément que. Il me yamo.
comment? Il dit quoi comment? Il m'a dit quoi? Il était étonné en fait. Il savait que tout ce qu'il faisait, soit... parfois il venait le matin, c'est il venait souvent le matin comme ça là. Il achetait le truc. Il achète le déjeuner, il part peut-être à côté. Comme à côté, il y a Aldi là, non. Il part, il achète les potions, il vient à ma part. Il faut m'aller demander juste comme ça là, que qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas et tout. Je lui disais juste comme ça. Là. Mais c'est que bon, comme ses collègues, on cause un peu pour apprendre à se connaître quoi. Mais depuis que j'aime les croissants, quand il part au supermarché, il achète des croissants, il vient à ma part. Quand il descend peut-être à la cafétéria, il prend ma part de cacao. Mais la petite attention comme ça, jusqu'au point où notre chef m'a remarqué qu'il me fait trop de faveurs. Oui. Aujourd'hui, elle a carrément dit que hein, la femme que tu es, elle est mariée, mais lui, il ne comprend pas. Hein. Il dit à la femme que ok, j'ai compris, mais là, il vient vers moi. Il me dit carrément que en tout cas, marié, ça, pour lui, ça ne veut rien dire. Il veut seulement me dire qu'il m'aime en fait et tout. Tu as ton mot de téléphone.
ça, tu peux échanger ton numéro de téléphone. Oui. Alors, ça va, non, il y a quoi? C'est juste pour que quand il va m'écrire là, que tu vois, tu ne sois pas étonné. Non, je sais ce que tu as dit. Non, je sais pas étonné. Tu m'as dit. Heureusement que tu m'as averti. Ouais, donc quand je vais voir, il s'appelle comment? Hein? Il s'appelle comment? Ismaël. Ismaël. Ok, donc c'est un arabe. Ou bien c'est quoi? Ouais. Ok. Donc là, c'est bon. Pourquoi tu fais la tête là maintenant? Je fais la tête, c'est quoi? Ouais, tu réponds, hein, tout ce qu'il dit. Mais si c'est que ça te dit que je te dérange, tu me dis. Mais je te dis pourquoi? Est-ce que je me dérange? Non, si ça te dérange, tu me dis. Non, ça ne me dérange pas, moi, c'est à moi de te poser la question. Tu te reposes quelque chose. Moi non, pourquoi? Alors, pourquoi tu alors, tu tiens tout assez pour moi? Ah, je peux me faire gaucher, je ne sais pas que c'est mal. Quand tu vois que c'est mal, tu me dis. Est-ce que c'est vrai que moi, je viens de toi et te fais pas. Est-ce que je ne vais pas te dire, tu découvres et tout et tout. Est-ce que tu as envie de te mal? Ok. Bien fait. Oh, ça me rassure, ça me rassure. Ça a bien fait. Ça me rassure. Ça a bien fait. Ça me rassure. Tu as bien fait. Mais si c'est toi, c'est une fille qui vient. Et tu je ne t'aime pas. Ne tente même pas. Ne tente même pas. Ne tente même pas. Même si le café comme ça, là, on connaît les filles. Ne tente même pas. Donc toi, tu prends, moi, je ne prends pas. Mais parce qu'il peut me maîtriser, non? Aussi. Je me connais. Est-ce que toi tu te connais? Je me connais. Je me connais pas, c'est toi qui me connais. Je peux mettre ma musique maintenant. Pour faire quoi? Non, je vais mettre ma musique, j'ai compris. Ah, toi tu vas. Demain quand tu vas au boulot, tu te mets encore. Tu déjeunes encore bien avec Ismaël. Et maintenant pourquoi tu tiens ce genre de langage maintenant? Mais comment je vais tenir que dans le langage? Quoi, maintenant tu dis que demain au boulot, je vais déjeuner bien avec Ismaël. Ça veut mais explique-moi ce que vous faites tout le temps. On fait tout le temps. Donc, parce que j'ai dit qu'ok, il me garde, c'est maintenant comme c'est tous les jours, tous les jours. Mais c'est comme il y a dit que c'est tous les jours, non? Oui, si, ça, c'est tout. Mais c'est comme ça, tu sors même que ce soit le cas, en fait. Tu sors, non, tu me dis un truc, tu insistes, tu dis que je sois. Mais je te forme, non? Donc, bon, tu aurais aimé que je te dise pas. Alors, je vois que peut-être qu'il m'appelle, tu me dis bon, que le numéro ne se connaît pas. Toi aussi, tu n'aurais pas aimé que je te dise que quand tu es dans la même enceinte. Non, donc, tu voulais que je te dise ça. Si tu dis c'est temps, c'est ancien. Si tu dis que okay, tu ne veux plus, j'arrête. Si tu dis que ok, tu ne te déranges pas, c'est ok, je comprends que tu me fais confiance. Est-ce que je ne te fais pas confiance? Tu m'as dit que je veux que tu puisses continuer dans la même enceinte. Continue dans la même enceinte. Tu as l'impression de te reprocher de quelque chose. C'est ta réponse en fait. Non, quelle réponse? Est-ce que tu as vu je te reproche d'un truc? Mais vu que tu ne fais que dire que non, c'est bien. Que tu as bien. Mais c'est bien, non? Et puis, c'est bien. C'est bien, c'est si zéro, c'est que c'est pas bien que tu as dit ça. Mais moi, tu fais que dire que c'est bien. C'est bien. Beaucoup de courage. Maintenant, pourquoi beaucoup de courage? Donc, quelqu'un peut pas s'attendre un peu à son collègue. Non, mais tu as vraiment besoin de courage. Non? Il faut bien que tu t'encourages dans ça. Pour faire quoi? Mais pour que ça continue bien. Hein? Pourquoi tu es maintenant dans tous tes états? Quel état? Tu as vérifié en état. Il continue en chauffeur rouge. Tu me dis que je suis dans quel état? Pourquoi c'est toi qui es en train de. C'est toi qui es en train de. Regarde, moi, je suis déjà été anormal. N'ai pas les problèmes. Tu t'es tranquille. Et il y a l'anniversaire aussi. J'avais oublié. Il y a l'anniversaire de. Où c'est de sa soeur et tout, il disait qu'il voulait m'inviter aussi. Faut partir, non? Faut partir. Tu ne te déranges pas, non? Non, non, non. Tout cas, voici, il me sent, il veut partir, mais ça me fait rester. Mais est-ce que ça te dérange, père? Tu as un problème, ça me dérange pas, tu sais que ça me dérange. Bon, mais est-ce que tu réponds, comment tu te connais, là, pareil que tu réponds là. Faut partir. Si tu veux me partir à l'enfant, comme du gueule. Tu peux pas l'enfant faire quoi? Pourquoi il vient gâter ma soirée? Gâter quoi sur ta soirée? Non, c'est quoi? C'est
Ton anniversaire, c'est à quelle heure? C'est en soirée, anniversaire des grands. Tu avais dit qu'on anniversaire des grands, qu'est-ce que c'est? Soirée spécifique. Des grands, non, des grandes personnes, pour dire que c'est en soirée. Anniversaire en soirée, comment? Je ne comprends pas, t'as dit qu'en soirée. Dans la soirée, en fait. Oui, à quelle heure? Vers 19h. Okay. J'ai pas fait qu'avec l'enfant. Non, parce que c'est quand? Hein? Et quand? Je m'a pas encore dit le jour. Moi, je m'en dis que bon, que ça soit encore d'organiser un anniversaire et tout. Mmh. En passant, qu'ils vont aller ensemble. Mmh. Donc, tu pars ensemble d'abord. Vous partez ensemble, toi. On part ensemble, ça qui est bien. Ça, tu dis, vous partez ensemble. Oui. En tant que quoi? Mais ami, non. Ok. C'est pas ça. Si tu peux partir, l'enfant, partir, c'est bien. Si au cas où tu doutes un peu quelque part là, toi tu peux me faire confiance. Pourquoi toi tu parles dans tous les sens pour les jours? Douter comment? Non, je te dis seulement, il te rassure seulement. Attends, donc si c'est moi, tu vas douter. Ça dépend avec qui? Ça dépend avec qui comment? Moi déjà, je ne connais pas la personne que tu as, la personne avec qui tu as parti. Tu vas connaître comment alors que c'est quelqu'un voilà, qui travaille? Non, puisque tu dis que ça dépend de la personne. Moi, bon, tu veux faire sa connaissance, tu veux qu'il invite à la maison. Hein? Tu l'invites à la maison quand tu mangeais les choses, tu me la représentes. Quel mal est-ce qui me dit? Il y a quoi ces jeux qui me donnaient? Donc si me donnent que je ne prends pas. Mais est-ce que tu vas de ton que tu ne fabriques pas? Voilà. Si je peux te dire mal, je ne vais pas prendre. Voilà. Voilà que tu as bien fait. Ok, bien. Petit point hier. Hein? Quand on a attaché ta bouche comme la boule de cookie là. C'était un petit point. C'était un petit point. Pourquoi c'était le point? Hein? Pourquoi c'était le point? Tu le prends, non? Si tu as mis tous tes organes. Je n'ai pas mis les organes. Tu as 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 le visage comme ça, comme tu fais souvent quand tu te fâches là. Que là, il faut partir, il faut partir. Qu'est-ce qu'il devait se passer? Donc dis-moi non. Non, je te dis pourquoi. Tu as vraiment confirmé. Si tu veux voir ce qu'il devait se passer, il faut partir. Mais il te dit, mais là, c'était le prénom, toi aussi. Mais j'ai compris, non. Ça qui dit que si tu as la chance, c'est toi qui as la chance que ce soit le prénom. C'est que tu vas faire quoi? Dis-moi un peu. Je te dis pourquoi. Je ne devais pas te dire. Tu vas faire quoi? Tu vas me mettre que dehors. C'est une surprise. Pourquoi je te dis? C'est une surprise. Ça doit être une surprise. Mais tu dis un petit compte, tu es fâché. Je suis fâché. Oui. Ton cœur battait à l'air. Non, non, mon cœur bat pourquoi? Ça battait. Laisse l'orgueil que tu fais là. C'est toi qui vois que mon cœur bat. Laisse l'orgueil que tu fais là. Mon cœur ne bat pas, mais t'es dit que tu allais juste te confirmer. J'allais confirmer quoi? Bien sûr, non, tu allais confirmer. Tu dois aussi aller, t'as pas de rendez-vous. La famille, il veut hier. Je connais un monsieur, mon mari. D'ailleurs, c'est une chose quand tu causes avec lui, ça change directement son humeur. Aïe, il est tombé comme du n'importe quoi. Et il savait qu'on était en train de faire notre vlog comme ça et tout. Et j'ai profité pour un peu lui mettre l'adrénaline là dans le corps.
j'espère que la vidéo vous a plu, hein, la famille. Bien qu'il n'est pas encore avoué, il n'avoue pas qu'il était fâché. Il reconnaît, il est. Dans la famille, si le prank vous a plu, lâchez les pouces bleus, likez, commentez et dites-nous. Mais concluons alors la vidéo. Concluons la vidéo, bébé. Ça veut dire continuer. Qu'est-ce que ça filmait toujours? Papa, il a filmé. Hein? Est-ce que ça veut dire que ça filmait toujours? Ça filme, non? Papa, tu m'as dit que ça veut dire que tu. Oui, c'était, il fallait que je dise ça pour que le prank puisse bien entrer. Ouais, okay. Comme j'ai dit tout à l'heure, madame et moi, il fallait juste qu'elle essaye. Papa, je devais lui réserver une surprise. Hein? Je voulais te réserver quelque chose. Ok. Je t'attends, c'est une surprise. Hein. Papa, il a tué le noir. Si tu veux savoir ce que ça devait être, papa, il a tué le noir. Attends, maman, il a tué le noir encore. Ok, on conquiert la vidéo. On espère vraiment que la vidéo, bon, j'espère que mon prank est entré, que ça vous a plu. Si vous aimez que je fasse constamment les pranks comme ça, monsieur le noir, hein, dites-nous. Je m'étais même pas boire, donc c'était spontané comme ça. J'ai dit qu'il faut que je fasse le prank, c'est là, monsieur. Il faut que lui fasse le prank. Et maman, on conquiert maintenant. Ça, toi, tu as la chance, c'est le prank. Bye bye, la team le noir. Bye bye. Portez-vous bien.